Je dois avouer que c'est une excellente idée. Ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Non, je veux pas aller chez le vétérinaire. Le vétérinaire? Non, 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 non. C'est pas cool, tu m'as piégé. Maxi, allez mon chien. T'es stressé depuis quelque temps, mais le vétérinaire va t'aider. Viens mon chien. Ça va aller. Oh. C'est ta première fois? Ouais. Oh, le docteur Francis est le meilleur vétérinaire de toute la profession. Tu vas l'adorer. Il se spécialise dans les troubles du comportement. T'as bien dit les troubles du comportement? Ouais. Mais j'ai pas de troubles du comportement. Je suis prêt à admettre que j'ai peut-être tendance à m'inquiéter un peu. Mais on vit dans un monde dangereux. Faudrait être fou de pas s'inquiéter. Moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui a un problème, c'est vrai. Tu vois, je lui apporte un oiseau mort, elle s'en débarrasse. Je lui offre une souris morte tout droit aux poubelles. Est-ce qu'un jour, je serai assez bon pour toi, mère? Ok... Je cours et je cours et je cours et je cours et je sors et je suis allé nulle part. Nulle part! Ma maîtresse me dit toujours, t'es vraiment un bon chien. Et je crois être un bon chien, mais peut-être qu'au fond, je suis un méchant chien. Je suis peut-être un méchant chien! On allume des feux! Max? Viens, Max. C'est temporaire. On va pouvoir le retirer dès que tu vas arrêter de te gratter. D'accord? Oh, oh, bise l'abeille! Oh. Ok, ok, ok. Max, t'en croiras pas tes oreilles. Oh, hey, jolie cône. Écoute, j'ai entendu Chuck dire à Liam qu'on allait bientôt faire un tour en campagne. C'est vrai? Et on va y aller en voiture? On va faire un voyage en voiture. Tu sais, la vie est pleine de surprises. Un instant, tu te fais poser un cône, et le suivant, t'apprends que tu pars en voiture.